L'atelier de peinture de Tom. Bonjour Lily, quelle belle journée pour une promenade. Regarde Lily, c'est Penny l'avion. Oh, tu aimerais être capable de voler comme Penny? Je pense que Tom pourrait nous aider. Allons lui rendre visite à son atelier de peinture. Bonjour Tom, tu remets tes affaires à leur place? C'est bien. Écoute, je pense que tu vas bientôt avoir un nouveau client. Tom, Lily voudrait pouvoir voler comme Penny l'avion. Tu as une idée? Donc, tu veux la transformer en ptérodactyle? Qu'en penses-tu, Lily? Oui, et c'est difficile à prononcer, ptérodactyle. Oui, Lily, tu peux appeler ça un dinosaure volant. Commençons ta transformation. Par quoi on commence, Tom? Ah, la couleur de base. Laquelle vas-tu choisir? Orange? Bon choix. Ok, commençons par la peinture. Jolie couleur, n'est-ce pas, Lily? Et ensuite, Tom? Oh, un nez. Lequel irait bien à Lily? Le nez de cochon? Les oreilles de souris? C'était juste une proposition. Nous allons donc prendre le bec. Ne bouge pas pendant que Tom met le bec en place, Lily. Parfait. C'est tout, Tom? Non. Dis-moi, c'est quoi la suite? Avec ça, tu vas vraiment ressembler à un un dinosaure volant, c'est vrai. Alors, tu penses qu'il faut peindre les ailes avec une autre couleur pour qu'elles se démarquent un peu? Eh bien, c'est facile à faire, n'est-ce pas, Tom? Le jaune sera parfait. Ça te plaît? Bien. Je suis content que ça te plaise, mais tu pourrais peut-être battre des ailes dehors plutôt. Parce que maintenant, elle est prête, n'est-ce pas, Tom? Quelque chose de spécial, dans ce cas? Je me demande bien ce que c'est. Bien sûr, des pattes. Ok, c'était la dernière pièce. Waouh, Lily, tu ressembles vraiment à un ptérodactyle. Maintenant, allons essayer ses ailes dehors. Waouh, c'est impressionnant. Tu as fait un excellent travail, comme toujours, Tom. Au revoir, tout le monde. À la prochaine. Bonjour, Ben et bébé Ben.
Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure tardive? Oh, tu aimerais bien savoir ce que c'est de voler? Eh bien, c'est une bonne idée. Je parie que Tom pourrait t'aider. Oui, tu devrais peut-être attendre ici, Ben. Comme ça, ça va être une surprise quand bébé Ben sortira. Bonjour, Tom. Tu as sommeil? Eh bien, tu as un autre client avant de te coucher. Bébé Ben aimerait savoir ce que c'est de voler. Est-ce que tu penses pouvoir l'aider, Tom? C'est une super idée, Tom. Je suis sûr que bébé Ben va adorer ça. Tom, tu vas plutôt utiliser une bombe de peinture ou un pinceau? Oui, tu as raison. La bombe de peinture sera plus rapide. Et c'est bientôt l'heure de dormir pour bébé Ben. C'est super, Tom. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que c'est que ça, Tom? Oh, je vois! Bébé Ben, est-ce que tu sais en quoi tu vas être transformé? Tu as raison! Tom te construit une soucoupe volante! Je crois que tu as raison, Tom. Il manque quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup mieux, Tom. Et ensuite, que faut-il faire? Qu'est-ce que c'est, Tom? Ah, tu dois enlever les roues de bébé Ben. Es-tu d'accord, bébé Ben? Eh bien, je suppose que c'est bon, Tom. Maintenant, qu'allons-nous utiliser, Tom? Ah, je vois, maintenant, tu ressembles à une vraie soucoupe volante, bébé Ben. Est-il prêt, Tom? Tom, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Wow, Tom! Maintenant, il ressemble vraiment à une soucoupe volante. Bébé Ben, ça te plaît? Merci, Tom. Super travail. Je me demande ce que Ben va dire. Hé, hey, Ben, es-tu prêt à voir à quoi ressemble bébé Ben? Il s'est transformé en une soucoupe volante. Oui, je suis bien de ton avis. Il est super, mais tu as raison. Il est temps de rentrer à la maison et de se reposer. Tu n'es pas d'accord, bébé Ben?
Où est passé bébé Ben? Amuse-toi bien, bébé Ben. À la prochaine. L'atelier de peinture de Tom. Bonjour, Tom. On dirait que tu es fin prêt à transformer quelqu'un avec tes super talents de peintre. Peut-on voir de qui il s'agit? Oh oh! C'est bébé Franck et bébé Matt! En quel personnage vas-tu être transformé, bébé Franck? Super! Marcus de la Patte Patrouille! C'est un pompier comme ton père! Et toi, bébé Matt? Chase de la Patte Patrouille! C'est logique! Bébé Franck va être transformé en pompier. Et toi, en policier. Génial! Tom veut commencer. La première étape, c'est de se protéger les yeux. Bonne idée, Tom. Commence par tous les endroits qui doivent être peints en blanc. De la peinture gris foncé, pourquoi faire? Les taches des Dalmatiens, bien sûr! Bien vu! Des oreilles et une queue. Pas mal! Bébé Franck, tu ressembles vraiment à Marcus de la Patte Patrouille maintenant. Excellent travail, Tom. À toi, bébé Matt. Tu es prêt à être transformé? Mais d'abord, tu dois te protéger les yeux. Excellente idée! Un pantalon Patte Patrouille! Génial! Matt ressemble à un chien maintenant! Pas mal! N'est-ce pas, bébé Franck? Te voilà transformé, bébé Matt.
Tu es Chase de la Pat Patrouille, prêt à intervenir. Ils ressemblent tellement à Chase et Marcus. À ce rythme, ils seront arrivés en un rien de temps. Au revoir, Tom. Merci. L'atelier de peinture de Tom. Bonjour, Tom. Que comptes-tu faire avec ce casque d'astronaute? Tu vas relooker Rocky la fusée en Buzz l'éclair? Le look de cosmonaute t'ira parfaitement bien, Rocky. Par quelle couleur vas-tu commencer, Tom? Tu as besoin de deux couleurs principales? C'est inhabituel. Bien sûr, Buzz l'éclair a un corps blanc, mais sa tête est violette. Maintenant, il est temps de peindre ta tête en violet, Rocky. Tu as l'air un peu étourdi, Rocky. Ça va? Super. Alors le relooking peut continuer. La peinture verte, c'est pour les détails du relooking de Rocky? Alors, tu devrais peut-être utiliser un petit pinceau. Tu as entendu ça, Rocky? Tom dit que ça va chatouiller un peu. Et maintenant, passons à la partie qui chatouille le plus. Essaye de ne pas bouger, Rocky. C'est le centre de commande? Mais il n'y a aucun bouton. Haha, les voilà! On dirait que c'est presque terminé, Tom. Ah oui, il lui faut des ailes. Ça va prendre du temps pour les faire. Tu en as fabriqué à l'avance? Ça, c'est très professionnel. Cool. Tom dit qu'il y a autre chose de spécial à ajouter, Rocky. Tu te sens bien là-dedans? Tu te sens bizarre? Eh bien, le son de ta voix aussi est bizarre. Ok, Rocky. Tom dit que c'est l'heure du lancement. Es-tu prêt? 3, 2, 1, lancement! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne bouges-tu pas? On dirait que Tom a oublié quelque chose. Ah oui, Buzz l'éclair a un interrupteur on-off. Prêt pour un autre essai, Rocky? Ok. 3, 2, 1, lancement!
Le voilà, vers l'infini et au-delà. Bon travail, Tom, comme toujours. L'atelier de peinture de Tom. Un jour de plus et un incendie de plus maîtrisé. Bravo, Franck. Tu es le meilleur. Tu dois être fatigué après tout ça, Franck. Tu es libre le reste de la journée? Génial. Tu l'as bien mérité. Hey, c'est bébé Franck. Tu attends ton père? Il a été très courageux aujourd'hui. Il a maîtrisé un énorme incendie en ville. Le voilà, tout couvert de suie. Oh, c'est gentil. Bébé Franck aide son père à se laver. Vraiment efficace, bébé Franck. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le reste de la journée, les amis? Tu vas aller te faire déguiser à l'atelier de Tom? Super! Et toi, mon grand? Bien, si tu n'as pas école, tu n'as qu'à aller avec ton père. Bonjour Tom, comment vas-tu? Franck ne travaille pas cet après-midi. Alors, il est venu pour se faire déguiser. Le père de bébé Franck vient juste d'éteindre un énorme incendie à Car City. Franck est un vrai héros. Est-ce que cela peut t'inspirer pour sa transformation? Excellent! Franck sera parfait en Batman! Ça, c'est sûrement pour la couleur de peau de Franck. Cette peinture aérosol grise est idéale pour faire la base. Tu as une bonne mémoire, Tom. Il y a un dessin de chauve-souris sur le costume de Batman. Est-ce que tu as un autocollant? Bien. Mais Tom, il n'y a rien sur cet autocollant. Est-ce que tu n'aurais pas un logo de chauve-souris ou quelque chose qui ressemble? Oh, comme c'est gentil. Bébé Franck dit qu'il va le dessiner pendant que tu finis le reste du déguisement de son père. Tu devrais prendre un crayon et surtout, prends bien soin de ton père. Tu dois être fier de ton fils, Franck. Il est très gentil avec toi. Il est temps de faire la première couche, Franck. Bonne idée! Bébé Franck, tu peux dessiner la chauve-souris pendant que Tom cherche tes accessoires. Mmh.
Bébé Franck, Tom trouve que tu es un bon assistant. Et un bon dessinateur. Qu'y a-t-il, Tom? Tu as une autre idée? Bien vu! Tu peux déguiser bébé Franck en Robin, l'assistant de Batman! Franck, toi aussi tu veux dessiner le logo de bébé Franck? On dirait que le petit Franck a hérité du talent artistique de son père. Maintenant, place aux accessoires. Qu'est-ce que tu as dans ton coffre, Tom? Est-ce que tu as aussi les capes de Batman et de Robin? Ils ont l'air splendides, n'est-ce pas, Tom? Tu penses qu'il manque quelque chose? Regardons à l'intérieur de ton coffre. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'autre dedans. Bien sûr, ils ont besoin de leur masque. On dirait que la transformation est terminée. Tu as fait du très bon travail, Tom. Il ressemble vraiment à Batman et Robin. Maintenant, vous pouvez protéger Car City ensemble. Passez une bonne journée, les amis. Et merci pour tout, Tom.